à tous et à toutes, c'est Cat Size. Alors, je vais faire un test aujourd'hui, parce que je vais vous faire une vidéo de gameplay sur Battletoads Battle Maniacs. Donc, je voudrais dédier ça à un YouTuber, Frix, excuse-moi si j'écorche ton nom, FrixBen 3i. Parce qu'il m'a dit que ce jeu était à ses côtés, donc voilà, je le connaissais pas. Donc je voudrais faire une petite vidéo justement sur ce jeu, mais bon voilà, j'ai pas d'avoir média, donc je fais ça un petit peu à l'arrache, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais vous faire ça sur Battletoads Battle Maniacs, donc c'est un jeu que je ne connais pas. Qui est sur Super Nintendo. Donc c'est un beat'em all, je me suis un petit peu renseignée, c'est un beat'em all qui est sorti en 93. Et en fait c'est des guerriers crapauds qui... Donc normalement ils sont trois et apparemment l'histoire c'est que... c'est que les deux frères ont été enlevés et donc lui... il faut qu'il... Il faut qu'il aille sauver ses deux frères. Donc voilà, donc c'est un jeu que je connaissais pas. Je l'avais essayé vite fait en fait quand je l'avais eu, parce que je l'avais eu dans un lot. Et j'avais trouvé ça assez spécial. Je vais mettre un petit peu de son parce que malgré tout, les musiques sont sympas. Donc, je sais pas ce que ça va donner hein, vraiment. On verra bien. Les musiques sont sympas, je trouve ça marrant. Alors moi j'aime bien, voilà, ça j'aime bien faire ça, j'aime bien comment ils se battent en fait. C'est assez marrant. Allez, un coup de poing, ça c'est fait. Hop là. Ça c'est simple, il y a deux boutons à utiliser, un pour le saut et un pour les combats. La musique est très sympa, vraiment. Ah c'est excellent, enfin je le trouve super marrant. Après... je connaissais pas, donc je peux pas m'étaler, c'est le premier niveau. Oh. Alors, on se bat quand même comme contre des espèces de cochons sangliers en juste au corps. C'est vraiment assez spécial quand même. C'est un petit peu décalé comme jeu. C'est en juste au corps rose en plus. Alors c'est un crapaud qui a quand même des genouillères et des protège-bras, je sais pas comment on appelle ça. Que dire de plus, les squelettes ont des queues quand même. J'essaye de m'écarter pour que vous voyez. Les squelettes ont des queues, alors je sais pas de quel genre de squelette il peut s'agir. Ça c'est marrant quand même que le marteau devienne tout d'un coup gros ou même son pied devienne gros, enfin c'est assez grossier, c'est marrant. Merde, je suis tombée. Quelle conne. Ah bah toi t'es tombée aussi. Bah enfin quand même, tu vas quand même pas exagérer quoi, des cochons en juste au corps. Où est-ce qu'ils ont eu l'idée de sortir un truc comme ça, franchement? Je sais pas. Déjà des crapauds qui se battent. Je crois que c'est une suite, hein. Je crois que c'est la suite d'un jeu en fait. Hein. Mais je sais pas, vraiment je connaissais pas. Donc je sais pas, Frix, si tu connais, étant donné que tu m'as dit que le jeu était coté, voilà, je sais pas. je sais pas qui a eu l'idée de faire ça en fait. J'ai même pas regardé le. Ah si, c'est Rare, je crois que c'est Rare qui a fait ce jeu là. Allez, un coup de ventre. Un coup de ventre de sanglier en juste au corps. Par contre, la musique, bon, elle est répétitive, mais je la trouve sympa, quand même.
Oh là, alors un cochon. Ah, ben il est beau celui-là, franchement. À mon avis, je sais pas ce qu'ils ont pris les développeurs avant de créer un jeu comme ça, mais honnêtement, il faut avoir des drôles d'idées quand même. Quoi. Pourquoi ils lui ont mis un juste au corps rose avec des gants et des petites ballerines? J'en ai aucune idée. Donc voilà, c'est un. Moi je suis nulle hein, au Beat'em All, c'est. Je suis plus RPG en fait. Donc c'est un Beat'em All. Tout simple. Enfin tout simple. Apparemment c'est un jeu qui est très difficile. Ça j'adore. Je préfère quand il sort son gros pied. Et ouais, j'ai regardé un petit peu sur les forums, il paraît que c'est un jeu qui est assez difficile. Tiens. Allez, et trois petits cochons. Riri, Fifi et Loulou. Et voilà, j'ai perdu une vie. C'est marrant quand il se bat, on a un réseau qui danse en fait. Il met pas des coups comme les autres. Par contre, on récupère pas de... Bah non, enfin, on n'a pas de moyen de récupérer. Il n'y a pas d'objet pour récupérer sa vie ou quoi que ce soit. Je sais pas. Non, mais attendez là. Allez, allez. Sors ton gros pied là. Ah voilà. Ça j'aime bien. C'est bête mais. C'est quand même assez sommaire. Enfin, pour de la Super Nintendo, il y a deux boutons. Dommage parce que. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert non plus de lancer des boules de feu comme ça alors que je peux pas avancer. Hein. Voilà, en plus je regardais pas. Vous allez me dire, elle est nulle. C'est vrai. Je l'avoue, je suis nulle sur ce genre de jeu. C'est pas les jeux auxquels je joue. J'aime bien. Enfin, je préfère un bon Street of Rage à la limite. Et ouais, j'ai passé pas mal de temps avec un pote sur Street of Rage. Mais je suis pas la plus forte. Hein. Vraiment, c'est. Ah, vous allez dire c'est une fille, c'est normal, je joue pas à ça. Bon, après, il y a des filles qui jouent, hein, mais non, moi c'est. C'est pas ce que je préfère. Et allez. Comment perdre une vie bêtement, tiens. Ah, bah c'est pas mal ça. Non, mais. C'est quoi ces trucs volants qui arrivent tout rose là? Et lui tombe pas. Non mais quand même. Il tombe pas. C'est assez répétitif quand même malgré tout. C'est pour ça que j'aime pas trop en fait. On a toujours un peu l'impression de faire la même chose. Excellent. Alors, voilà, on va écraser, ça c'est fait. Donc. Non, non, mais écrase pas. Je suppose qu'il faut que j'attende qu'il me retombe dessus. Allez là, tape-le. Par contre, on voit pas les points de vie sur. Sur les boss. Donc on n'en sait rien en fait. On sait pas où ils en sont. Tout ce que je sais c'est que je suis morte. Voilà.
Ah, je suis vraiment nulle. Allez. Ah, ça pique un petit peu quand même. On va essayer de pas mourir bêtement. Ah. Ouais, j'ai bien dit essayer. Attends, c'est pas comme si ça faisait trois fois que j'étais en train de faire la même chose. C'est quoi ces trucs roses là, franchement? Qu'est-ce qu'ils ont? Mais pourquoi ils tombent? Par contre, ils tombent pas. Je sais pas ce qu'ils ont pris les développeurs pour créer des trucs comme ça, franchement. Quelle idée! Voilà, non, tombe pas. Ah! Ah là là! Voyez où le boss? Il arrive. Non mais. Oh là là, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah là 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 là, je suis nul, je suis nul. Recommencer à zéro. Bon, voilà ma prestation très pitoyable sur Battletoads Battlemaniacs. Donc voilà, c'est vraiment un jeu rare. J'en ferai pas plus parce que c'est vraiment pas mon style de jeu. C'était juste pour vous présenter. Vous voyez, j'ai même pas réussi à passer le niveau 1. Vous allez vous dire, elle est vraiment nulle. Bah ouais, sur ce genre de jeu, je suis vraiment nulle. Donc bah, j'essaierai de vous faire une présentation sur un jeu sur lequel je me débrouille un peu mieux. C'était pour vous montrer. Et j'espère que ça vous a plu quand même. Je pense que ça vous a fait rire. Et ben, je vous dis à bientôt et bon jeu à tous. Salut, salut!